Une des difficultés du débat actuel, c'est que et les partisans et les adversaires de l'euthanasie utilisent les mêmes concepts et le même vocabulaire pour défendre leur position. Les partisans et l'adversaire de l'euthanasie veulent bien sûr aussi un bon contrôle de la douleur physique. Et des personnes vont souhaiter aller à l'euthanasie ou l'aide au suicide parce qu'ils craignent de ne pas être soulagés convenablement de leur douleur. Or, aujourd'hui, on sait que à 95-97%, les personnes peuvent être soulagées de leur douleur. Et pour le 3 à 5% qui resterait, on peut toujours utiliser une sédation palliative. Donc, la question de la douleur physique, on peut trouver des solutions. Des personnes aussi peuvent vouloir l'euthanasie par crainte d'acharnement thérapeutique. Or, les hôpitaux, je crois, sont plus conscients qu'autrefois. De cette réalité-là, ils essaient de l'éviter. Sauf que ce n'est pas nécessairement très simple pour le médecin. Par exemple, une personne qui donne des soins médicaux décide d'une intervention un petit peu agressive et que ça fonctionne, on va dire, c'est un miracle, docteur. Puis si ça ne fonctionne pas, on va dire, vous avez fait de l'acharnement. Alors, la frontière n'est pas toujours facile à déterminer. Et ce qui peut nous aider aussi, à croire qu'il n'y a pas à craindre d'acharnement, c'est que les patients peuvent décider d'eux-mêmes d'avoir un traitement ou de le refuser. Déjà, il y a 50 ans, le pape Pie XII disait cela. Il disait, la première personne à prendre une décision concernant un traitement à recevoir ou à refuser, c'est la personne malade. Ensuite, il y a aussi une confusion possible sur la compassion. Les partisans et les adversaires disent qu'ils veulent la compassion. Les partisans de l'euthanasie, en accédant à la demande de la personne malade, alors que les adversaires disent non, compatir, c'est comme souffrir avec, porter avec une souffrance. Ce n'est pas éliminer la personne. De sorte que c'est une fausse compassion, je pense, que de céder à la tentation d'enlever la vie à quelqu'un. Ensuite, il y a aussi le fait que les personnes qui sont favorables à l'euthanasie et celles qui ne le sont pas voudraient respecter l'autonomie des malades. Puis de fait, l'autonomie est une expression de la dignité des personnes. Par ailleurs, si on ne considère que l'autonomie, ce à quoi d'ailleurs les chartes nous incitent, on risque d'avoir, comme dit Chesterton, le philosophe, une valeur affolée. Si on ne tient pas ensemble les valeurs, on va avoir des valeurs comme affolées, c'est-à-dire qu'on a perdu un peu le sens. Donc, il faut donc tenir la valeur de l'autonomie avec celle de la solidarité, de sorte que quand une personne voudrait s'enlever la vie, il faut qu'elle pense aussi à l'effet de son geste sur des proches, sur d'autres malades qui seraient dans sa condition, ou parfois dans une condition pire, ou sur des personnes handicapées qui sont souvent très fragiles. On oublie un peu que quand des personnes avancent en âge, deviennent très handicapées physiquement, parfois même mentalement, elles sont extrêmement fragiles au regard des autres. Et si elles voient qu'une personne a décidé de s'enlever la vie parce qu'elle était un poids pour les siens, elle va facilement avoir le même sentiment à son tour. De sorte qu'à mon sens, c'est là un peu le cœur du débat. Tenir ensemble l'autonomie de chaque personne, qu'on voudrait bien respecter, mais aussi la solidarité, aussi avec le reste de la société.